Des cartouches de fusil, donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va avoir un... Donc là il y a un truc. Hein. Oh là là là, mais que va-t-on trouver? Oui? Statuette de taureau, ouais, ça je sais où on va l'utiliser dans la porte du hall principal pour s'enfuir. Parce qu'on veut s'enfuir, hein, on n'est pas vraiment... Bon, on n'a pas été très bien accueillis dans cette maison, je pense que... Tant pis pour Mia, hein. Même si c'est triste. Ah oui, du coup, on est devant le garage. Très bien. Bonjour. Bonjour, bonjour. C'est sympa, hein, vraiment. Ah, c'est vraiment sympa, quoi. Ouvrir la porte. Bonjour. Le hall principal. Montagne Harclée. Oh, les montagnes Harclée. Ça vous rappelle rien? Shoot me, oui, donc ça, c'est des petits. Il y a d'ailleurs, il y en a un là, je crois. Ça, bon, ça, je les avais tous faits de toute façon. Voilà. Les montagnes Harclée, ça vous rappelle rien? C'est tout simplement les montagnes de... Où se situait le manoir de Resident Evil 1. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc on a un hill. Donc les montagnes Harclée, C'est pas par hasard qu'ils ont mis ça, hein, clairement pas. La poudre à canon, voilà, une pièce antique, ça aussi c'est utile, ça sera utile. Donc on a le téléphone qui sonne, on va quand même vite fait voir ce qu'on a dans ce hall. Avant de répondre au téléphone. Donc là on a un scorpion sur la porte. Pendule d'horloge, ok. Plus de 20 disparus en 2 ans. Le capitaine Howell de la police d'État a annoncé à la presse le début des recherches pour tenter de retrouver Hélène Midkiff, d'accord, une étudiante originaire de Caroline du Nord en voyage en Louisiane. La jeune femme a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 21. En cas de disparition, les cas de disparition en Louisiane du Sud ont augmenté de manière significative au cours des 2 dernières années. On compte aujourd'hui au moins 20 personnes disparues, dont la plupart sont des touristes ou des personnes errantes. La police, qui privilégie la piste criminelle et soupçonne un lien entre les différents incidents, compte intensifier les enquêtes, le voisinage et déployer le plus grand nombre d'effectifs dans la région. Et malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, parce que forcément... Donc là, il va falloir mettre quelque chose. Le tableau intitulé Le Chasseur. Le Chasseur des cieux représente un chien qui regarde en l'air et aboie. Ok. Si je dis pas de conneries, si je prends ça... Ouais. Il faut laisser le fusil, du coup. On va aller monter un petit peu, voir ce qui s'y passe, en haut. Ah. On a la vieille, hein. On a la vieille, hein. Je ne dirai rien sur ce personnage. Evelyne, 2 mai 2014. Voilà, c'est Evelyne. Là,
On n'a rien pour eux. Je crois qu'en combinant poudre à canon, voilà, pour des, voilà, un fluide chimique pour créer des munitions de pistolet. Donc un système qu'on avait dans RE2 et RE3 notamment pour créer des munitions. Donc ça, c'est pas nouveau dans la licence. Réponds au téléphone peut-être, hein, parce que là, ça fait un peu d'attente hein, quand même. Mon père t'a donné du fil à retordre? C'est ton père? Il l'a été. Je suis désolé, mais il est mort maintenant. Tu peux peut-être y arriver, en fait. Arriver à quoi? Je veux que tu fasses quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler maintenant. Il te faudra des sortes de clés pour ça, et tu dois sortir d'ici. Ok. Ça change, dans la théorie, des clés. Voyons. Les clés dans Resident Evil. Oh, c'est pas possible. J'ai peut-être fait un aller-retour pour rien. Je pense que j'ai fait un aller-retour pour rien. Le hobby favori du père, ouais. Donc là, il y a un serpent. Chou. Une cassette, Mia, d'accord. Une poubelle, la poudre à canon, je prends. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, une tête de chien. On dit qu'une tempête approche. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière qui a eu lieu il y a quelques années. Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres et de consolider le toit. Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider. L'eau s'est enfin retirée. La maison n'a rien, mais la vieille maison est sacrément endommagée. Lucas nous rabat les oreilles à propos d'une énorme, un énorme navire qui se serait échoué dans le bayou. Si c'est vrai, je ferais mieux d'en avoir bien à paroisse. J'irai voir ça demain. Et c'est là que tout commence. Hein. Je vous en dis pas plus, évidemment, mais c'est important de lire ce papier du coup pour comprendre l'histoire parce que le fameux navire qui s'est échoué dans le bayou. Marguerite, vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé et foule dans la zone de traitement. D'accord. Allez, une pièce antique. On a. Hop, le petit truc à. Voilà, donc là, on a le fusil, j'imagine factice, hein, qu'on va devoir. On connaît un petit peu hein, ce genre de méthode hein, dans Resident Evil. On connaît un petit peu ce genre de façon de faire. Là voilà, on voit la caravane. Là du coup il nous faut j'imagine que le. Enfin, il nous faut un crochet qu'on n'a pas évidemment. De toute façon il faut qu'on voit la cassette. On va aller quand même voir un petit peu tout ça de toute façon ouais. Bon, là on revient sur nos pas donc. Peut-être pas forcément intéressant de. Allez, on va voir la cassette du coup. Voyons voir un petit peu ce qu'elle dit cette cassette. Ethan, s'il te plaît, regarde ça. Hein, je traduis. Donc, juillet 2017, donc le jeu se passe dans le futur. Enfin, au moment où il est sorti, c'était en janvier 2017 pour le coup. Qui se passe dans le turfu. Oui, et donc? Ah bah non. Ça a mis du temps, hein. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Je ne peux pas la laisser m'attraper à nouveau. Ah oui. Donc là, on incarne Mia. La Mia de la cassette. C'est sympa comme endroit. Ah! Là aussi, les portes se ferment toutes seules, hein, vraiment. Tout va bien. Non, non, pas de maman ici.
moindre lasse. Il est de plus du manège. Il faut que je me cache. Il faut que je me cache. Pourquoi il faut que je puisse subir ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Je ne te comprends pas du tout. C'est un don. Non, c'est pas un don. Non, 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 non. C'est pas un don du tout. Ah oui, c'est vrai, putain. Ce n'est pas le moment. Alors, on essaye de s'échapper là, on est Mia pour ceux qui n'ont pas suivi. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan? Non, non, ne viens pas par ici. Putain, mais... Elle peut pas partir là. Je suis caché. Ça doit être un petit peu stressant, hein, un tout petit peu stressant. Je te jetterai en pâture à mes bébés et je fertiliserai le jardin avec les restes. C'est pas très sympa ça. Je crois qu'elle va claquer la porte. Nous t'ouvrons notre maison. Nous t'ouvrons nos cœurs. Mais oui. Et toi, que fais-tu? C'est bon. Je sais pas ce que c'est ce truc. Je crois savoir ce que c'est, mais... Ouais, donc là, c'est la Louisiane, hein, les marais... Des régions assez humides... Allez, dépêche-toi. Je sais plus dans quel sens fallait le mettre, comme ça, je suppose. Comme ça... Oui. Non, comme ça c'était bien, comme ça. Non? Comme ça c'est bon là, non? Ah, oh, je suis dedans là! Ah oui, il fallait appuyer sur OK, d'accord. Logique, hein! On joue avec une ombre, une porte s'ouvre, hein. Évidemment, évidemment, c'est logique. Tout à fait logique. Attends. Si vous avez pas ça chez vous, les mecs, vous êtes à la ramasse. Hein. Ça a l'air d'être un cul-de-sac cet endroit-là. Alors, c'est vrai qu'elle est pas bien grosse. Hein, qu'elle... Alors. Mais j'ai pas très envie. Nous t'aimons. Ouvre les yeux.
caillou. C'est pas possible. Tu ne comprends rien. Et tu ne te rends même pas compte. Tu crois que la petite Amy va continuer à pardonner tes conneries, garce? Evie, donc c'est la petite Evelyne. Hein, ça. Non, j'en ai assez ce petit jeu avec toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Comme passionnant. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait attendre qu'elle passe. Voilà. Ah ouais, du coup, j'ai attendu pour rien. Non, super. Non, 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 non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. C'est ambitieux, jeune fille. Quoi? Donc ça, c'est Mia et la petite Evelyne. Quoi? Ah, c'est sympa. C'est une caméra, ça, du coup. Ça, c'est... Enfin, oui, c'est... C'était une caméra, du coup. Ok, bon. Par contre, du coup, les temps de chargement et tout... Aussi, là, on retrouve les bons temps de chargement. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Mia ? Ok. Bon, là, on commence à capter, du coup, que Mia, bon, elle est pas... dans son état normal et que forcément... c'est peut-être pas de sa faute. Du fluide chimique, hein. On prend le fluide chimique. Le fluide chimoque. Allez hop. Notre inventaire il va commencer à être un petit peu. Un petit peu plein. Et bonjour. Ah, c'est. Ouais. Bon, j'irai pas trop prendre mon bain là-dedans, quoi, mais. Voilà. Des munitions de pistolet. C'est vrai qu'on a un pistolet. Un J-17. Une pièce antique. On est à 4 pièces antiques. Et du coup... ça ne nous a pas vraiment donné d'indice sur la suite. Ah voilà, c'est avec la baignoire. La fameuse baignoire. La statuette en bois, voilà. Parfait. Ah, tiens. Ça surprend, tu trouves pas? Encore plus fort. Mmh. Ma petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Allez, tiens. Hop. Putain, à chaque fois... Tu perds ton temps. Non, 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 non. C'est qu'il court super vite, hein, ce mec, hein. C'est absolument insane, mais il court méga vite, hein. C'est pas... Ce serait pas étonnant qu'il me rattrape. Ferme la porte, ferme la porte. Allez hop. Ok, donc. L'aigle. C'est. Oui, du coup, c'est comme ça. Voilà. À peu près, quoi. Enfin. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok, j'avais pas du tout pensé du coup activer la baignoire. Ouais, je suis. Ah, c'est là.
Comme quoi, des fois, je fouille autour, et puis au final, j'en perds l'objectif principal, quoi. Faut pas perdre de vue l'objectif principal, hein. Ok. Donc là, c'est un petit peu le grenier. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est sympa. C'est vraiment c'est sympa. Une pièce antique, c'est cool. Ça, je pense qu'il faut de toute façon il faut un crochet, il faut pas une pièce. Non, évidemment, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Couple en vacances, résultat concluant pour le mari, il est le 12e, malheureusement la femme n'était pas apte, donc on va se débarrasser d'elle, d'accord. 7 juillet, 3 étudiantes, elles ont pourri toutes les 3, Lucas est un imbécile, d'accord. Sans abri, il a muté en 3 jours, c'est le 13e. Ah, c'est un petit peu trash. C'est un petit peu trash. C'est vrai que sur ce jeu, ils avaient fait un mode... Un mode Ethan doit survivre ou je sais plus quoi. Et ouais, les psychostimulants, bon ça je les utilise jamais dans le jeu. Le mode Ethan doit survivre, etc. Et ça c'était un mode en fait qui... où c'était un petit peu un système de niveau où genre on était dans la map dans la map du manoir là où on est actuellement. Et on avait des caisses, on devait stuffer et puis évoluer dans le niveau jusqu'à... jusqu'au boss de fin, entre guillemets, du mode de jeu. C'était assez intéressant parce que c'était vraiment hard. J'avais fait une vidéo, je crois, sur ma chaîne secondaire. J'avais fait une vidéo sur ce mode de jeu. Que je vous invite à aller voir parce que pour le coup, j'avais vraiment galéré. Vraiment, vraiment galéré parce qu'il était vraiment hardcore. Ah oui, c'est vrai. Un méchant monsieur. Voilà, donc ils sont pas trop durs, hein, en mode normal, ils sont pas trop durs. Donc pour ceux qui se demandent hein, ce que c'est ces monstres, hein, bah, c'est les fameux disparus, hein, ceux qui ont disparu et qui ont été transformés, du coup, infectés et transformés. Ce qui n'est guère agréable. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite salle de save. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des munitions de pistolet. On peut pas ouvrir. On n'a rien d'autre ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Courtenay, ces enfoirés sont à mes trousses, mais peut-être que ça te donnera une chance de sauver ta peau. Il faut absolument que tu trouves les têtes de chien. Sculpté qui est utilisé comme clé, j'en ai vu une dans la salle de dissection au sous-sol, d'accord, donc ça nous donne un indice. Mais la main dessus, c'est le seul moyen de t'échapper. Donc, vous voyez qu'on n'est pas les seuls hein, à être enfermés dans cette baraque de fous, puisque il y a eu déjà des gens avant nous hein, qui... facilitant le repérage des objets. Bon, ça on pourra l'utiliser globalement. Là, on a des munitions. En vrai, c'est vrai qu'on a beaucoup d'objets là. Peut-être déposer des trucs comme genre les fluides chimiques, on va les déposer quand même. Ouais, on va les déposer puis on va sauvegarder.